Avant de démarrer, bien sûr, on va remercier ceux qui rissablent. On a qui? On a Sam Sam LDN, Je t'aime Riri, dédicace à mon pote Climax, qui est tombé amoureux d'une trans sur Discord. J'espère qu'il heureux et ils eurent beaucoup d'enfants avec ce trans. Oui, je sais, je reconnais mes torts. Et voilà, alors répare, on est allé récupérer la première millimétrer les mecs. On a perdu tout ce qu'on avait. Donc, je regarde si ça fait une voiture. Donc, sois gentil contre les gens. Tu m'as rendu raciste, bravo, mais de quoi? Mais j'ai rien fait! C'est n'importe quoi! On y va! Tu vois, par exemple, lui, il est vieux, lui. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, sur l'application? C'est certainement un pédo. Lui, il faut enregistrer son image. Attends, hop. Je l'enregistre. C'est bon, les mecs, il est enregistré. Voilà. Toi, la police va débarquer chez toi. Toi, tu vas rien comprendre. Ah ouais? Ah bah tu oui, parles mec. De moi, là? Bah, je parle de toi parce qu'on est en train de cramer des pédopervs comme toi. Ah, alors, déjà, tu vois ma gueule, voilà. Tu sais pas qui je suis. Moi, je suis capitaine de gendarmerie dans le Vaucluse, mon ami. Et qui me l'affirme? Enfin, je vais te montrer ma carte. Bah, montrez-moi votre carte, parce que des pédos pervs qui se retrouvent sur ce site-là avec des mineurs, vous trouvez ça normal, monsieur? Il y a des jeunes depuis tout à l'heure qui sont diffusés. Ah, mais je suis choqué, frère. T'es ranké quoi? T'es ranké diamant? Non, je suis gold. Moi je vais te dire, je me mets là-dessus, c'est pour discuter musique, discuter avec des gens comme toi, un petit peu de l'actualité, tout ça. Et toi, tu me connais pas, tu me traites de PD. Alors je suis marié, j'ai une famille de 22 ans. De pédophile, c'est différent parce que je suis moi-même bisexuel. Non. Pédophile, PD, c'est la même merde. Hein, pour moi, tu vois, je les combats toute l'année. 10 seconds left. One down. Bon bah je crois que la messe est dite. Hein. Mes frères, je suis choqué. Bah oui, t'es choqué, gros. Bah ouais, mais t'es pas au niveau, gros. Allez, ça circule, c'est balayé, ça. Tu sais comment il gagne, frère, là. Bah ouais, mon gros. Bah ouais, mon frère. Ah, j'adore Valo France le soir, j'adore. T'as vu ça? Mais il était tranquille, mec, il a grave dégusté le petit 1v1. Bon bah, tu t'es fait laver, hein, devant 200 specs. C'est pas grave, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, bon, là, change juste de pseudo. Normalement, ils t'ont pas cramé, gros. C'est pas comme si t'étais un joueur connu de Valorant Pro FR. Et tu redémarres une nouvelle carrière, ça te va? Non mais là c'est pas normal. Mais si. Moi je suis un père de famille, j'ai ma gamine qui dort à côté, qui a 22 ans, et ma femme qui est dans la piole d'à côté, qui se repose de sa journée de travail. On veut la carte, monsieur. De toute façon, vous serez signalé à la police dès le lendemain avec votre photo. Tout est enregistré sur YouTube. Donc désolé pour vous, mais montrez-moi votre carte et prenez-le moi. Pas de problème, parce que tu es en train de faire pareil pour ta gueule, et demain matin, la première chose que je fais à la brigade, je vais regarder ta gueule aussi si t'es connu dans nos services. Ouais. Qu'est-ce que vous allez m'insérer? Un suppositoire, je suppose? Non, je fais une fouille, pour voir s'il n'y a rien d'illicite dedans. Ok, bon, j'ai l'impression de rien trouver, on peut y aller. Hop, je retire vous le gant. Vous mettez ma vie à 100%, s'il vous plaît. Oui, voilà, elle est bien, vous en faites pas, elle est bien. Allez, au revoir, monsieur, bonne journée. Bonne journée. Ah bah, on vous verrez bien. Là, moi, je suis en train de faire une recherche. Là, je suis en train de lancer un boot pour faire une recherche. Tiens, voilà, signalez-vous. Vous croyez m'impressionner, monsieur? Ah bah. Alors lui, je crois qu'on fera pas mieux, les mecs. Yeah, bon, j'ai mis la ceinture. Vous allez vite, monsieur, là. Je le touche ou pas? Est-ce que ça vous dirait-il de vous toucher un peu la cuisse comme ça, là, pour masser? Tiens, la cuisse dure, hein. Ouais, il fait plaisir. Celui qui a le maillot, là, forcément, Juventus. Le meilleur club. Voilà, des... tu vois, maillot de la Juventus. Mais non, mais déjà, pour moi, est-ce que j'ai déjà un pas intelligent? Et attends, le mec derrière, c'est le maillot de qui? Quoi? Il a un maillot cassé. Attends, c'est ma mère qui m'a acheté un maillot au bord de l'autoroute. Montre. Non, merci. Non, mais... Ah, c'est bon, ça. Monsieur, vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît? C'est bon, je voulais voir la cuisse. Dites-moi un peu les avantages de votre... Oh. Aïe, j'ai mal. J'ai mal. Regardez mon genou là, la cognée. Regardez mon genou. Non mais quel club? C'est quel club? Il a mis du cœur. Il a mis du cœur. Ils ont valé le maillot du PSG. Eh mon ref, montre. C'est quoi? Il a mis du Paris, il est cassé. En mode, tu vois? Oh non, j'ai honte. Ils l'ont terminé.
Elle m'a présenté ses excuses tout de suite. Sors pas maintenant, sors. Tu vas rien faire du tout. Je te prends par les cheveux. Pourquoi vous la défendiez parce que vous êtes dit. Sors. Écoute. En fait, arrête de parler et sors. Je t'ai demandé. Je vais te demander de sortir du bénis. C'est Mercury qui parle. Je vais sortir du bénis. C'est Mercury. Non, tu n'es pas sorti du bénis, frère. Écoute, écoute. Putain, mais je vais péter ma tête. Bah vas-y, dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors tu fais quoi? Tu comptes faire quoi plus tard? Alors du coup, tu veux lancer mon stream, c'est ça? Non, genre dans mon avenir, avenir de vrai. Ouais, vas-y. Bah en vrai, moi je suis grave. Oui, je suis un ami du gérant, là, j'étais... D'accord. Ne vous en faites pas. Alors, vous venez pour une petite réparation, c'est ça? Non, un custom. Ah, un custom, bah, mettez-vous sur le côté, attendez, voilà. Alors, qu'est-ce custom. Que vous voulez? La carrosserie? Vous voulez des éléments de carrosserie, en plus? Ouais, c'est ça, pour voir un peu ce qu'on peut faire dessus, hein. J'espère que lui... Eh bien, mais elle est très bien comme ça d'origine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je veux faire un petit peu, tu vois, changer un peu la couleur, un peu les vitres. Vous voulez une réparation moteur? Vous voulez une préparation? Non, pas de préparation, ouais, je la couleur. Eh bien, préparation peut-être dit. Si, peut-être un petit covering alors. Attends, vous permettez? Allez-y, monsieur. Il est très bien ce véhicule. C'est un véhicule, voilà, ça c'est beaucoup mieux, c'est de mon standing qu'un pick-up. J'ai gagné. Je suis l'ancien patron, mais je peux pas m'empêcher de revenir voir mon ancien business. D'accord, mais tu t'es passé pour le patron. Un petit code B, les gars, un petit code B, je vous laisse la voie libre. Oui, je sais, je reconnais mes torts. Et voilà, alors répare. On est allé récupérer la millimétrer les mecs. On a perdu tout ce qu'on avait. Non, je regarde si ça fait une voiture là. Sois gentil quand tu réponds. Voilà, allez hop. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut le petit Nicolas? Ta place est dans une BD là, ne me parle pas. Mais je suis abonné premium là, tu me casses les couilles putain. Oh, putain oui. Mais tu me casses les couilles. Non mais sérieusement, je me fais chier à m'abonner, je te soutiens, et toi c'est voilà, tu me critiques. Non mais sérieusement, c'est quoi ce comportement Riri? Moi je t'aime Riri. Je ressens de l'amour entre toi et moi, je t'aime. Oh putain, désolé, il a failli se prendre une balle perdue. Excuse-moi alors, désolé. Si tu veux pas de soucis, je te conseille de pas lui parler. C'est ma petite sœur, il y a personne qui lui parle. Oui, je parle de ta petite sœur si elle m'apprécie parce que je suis Moussa, elle m'appelle. Vas-y, Sarah, va plus loin, s'il te plaît. T'as le chien. Quoi? Hein? Qui a parlé? Qui a parlé? C'est la fille, attends. Attends, là on va devoir parler. Non, elle a dit que vous avez vraiment des animaux de compagnie. Non, lâche-la. Petite salope. Malade, attention. Non, elle a rien dit. Elle a rien pour dit. Qui, toi? On va pas venir pleurer le jour qu'elle sera tuée. Toi, tu te prends pour qui, toi? Laisse-la. Tu viens chez moi, t'insultes ma famille. Tu fermes ta gueule, espèce de pute, tu t'es fait baiser par tous les arbres. Écartez-vous. Non, vas-y, bouge. Vas-y, cours, t'as 10 secondes, sinon tu te manges une tête. Vas-y, cours. Comment tu vas? Quel est ton pseudo dans le chat alors? Ouais, attends, je vais écrire, attends. Faut que j'aille sur là, je sais même pas que t'étais sur ma gueule, attends. Il est abonné premium, ça veut dire que ça doit être minimum un tier 3 dans le chat, les gars, vous allez voir. Vous allez être impressionnés. C'est pas le pige V3, les gars, le pige V3, je sais à quoi. Oh merde, je suis plus abonné, merde, salut. Oh non, mais. La demoiselle, vous la connaissez avec son espèce de petit chevalier blanc? Est-ce que vous la connaissez, s'il vous plaît? Ouais, elle s'appelle Emma. D'accord, Emma, est-ce que ça c'est possible si, moyennant bien sûr un financement, vous lui mettez une balle dans la tête? Ou dans le boule? Frontalisé, oui, effectivement. Dans le boule, ok. Vas-y, allez-y. Oui, ça va être très drôle, Emma, ça. Vous allez voir, chers viewers. Il va lui mettre une balle dans le boule. Mais non! Dans le boule, ok. Ah bah, bien joué, c'est très bien. Non, ça me tire dessus. Est-ce que la légende, je voulais juste savoir, est-ce que la légende sur les blagues... Sur la bite, sur la queue, sur la grosse bite? Oui. Est-ce que c'est vrai? Elles sont bien larges, madame. Je vous invite ajoutez-moi, vous allez goûter à ça, chez Bouillard. Tu vas voir où tu vas dormir, sale chien. On va prolonger le plaisir. Encore disponible, là, encore quelques heures, ce chien. Tu vas rester avec nous. Vas-y, mon rêve, des bisous. Bisous, mec. Bisous, et n'oublie pas, essaye de trouver des trucs que tu kiffes, parce que ça se voit que t'as pas de passion.
Comment ça, j'ai pas de passion? Oh le bâtard! Mais je sais pas, ça se voit, tu vois, t'as rien qui te passionne. T'as un bâtard, c'est méchant de dire ça! Il a terminé en deux! Jeux vidéo, tu sais, mais c'est pas légal dans la morale, dans ta morale, du coup, tu te sens pas méga bien, tu vois ce que je veux dire? Allez, à bois! À bois! Voilà, j'ai mis comme une pisseuse, allez, vas-y, à bois! Mais pourquoi tu termines? Pourquoi tu t'es méchant? Mais je te termine pas, je te dis les choses vraiment. C'est pas méchant. Tu m'as dit, mec, trouve-toi une passion dans la vie. Mec, c'est dit avec bienveillance, c'est parce que je t'aime bien et je te raconte ça pour que ça soit plus utile que si je te disais, hey mec, t'es parfait, tu vas bien. Il a éclaté. Ça va être un vol plané pour toi. Non, c'est mon plat là, je vous jure, je vais pas dire. Tu vas prendre un peu de bon temps. Je vous jure. C'est le temps fait pas, si le corbeau te. Si le. L'espèce de charognard, t'en mets pas, il a une superbe envergure, il va être attrapé au vol. Ça te va? Non, non, mais j'aime pas, je te jure. Direction l'Afrique, regarde, il est prêt à se récupérer, ne t'en fais pas, tout se passe non, très non, bien. Non, non, je dirai rien là, vraiment promis. Ne me lancez pas là, je vais m'écraser la tête. Oh, je vais tout casser. Lui, il me fait un fichier dégueulasse. Change-le, ça sert à rien, c'est pourri, c'est pourri. C'est pourri, t'énerve pas, là t'es en somme, on t'entend plus. Terrible. Putain, sale gros porc avec ton vieux chapeau. Sale Renoir, mec. T'as vu ta tête, mec? Putain, tu parles de mon putain de truc, mais mec, t'es gros, va à la salle, fais un régime, putain. Et après, il insulte les autres, mais c'est... Là, il y a de la merde, gros, t'es fou. Bon, les gars, vous me screenez sa gueule, les gars, et on va le retrouver. Alors, t'assumes pas? Oh là là, mais c'est ouf, les jeunes. Et voilà. Je vais m'écraser la tête en bas. Tout ira bien. Non, vraiment, s'il vous plaît. Allez, t'es prêt? Charognard, t'es prêt à le récupérer en plein vol? Non, arrêtez là! Je vais pas mourir. Fais confiance à l'animal, tout ira bien. Oh, mais oui, fais confiance au vol à pile, t'inquiète. Allez. Tu vas m'écraser comme bon vent. Allez. Ah bah. Lui, il va insulter, et tellement c'est une victime, il va jamais montrer sa gueule. Vas-y. Qui, moi? Ouais. Nectaras, j'ai pas envie de montrer ma gueule. Nectaras, voilà. Je vous ai dit, un vrai mouton. J'ai pré-shot ce qu'il allait dire, il a suivi comme un con, hein. Un vrai bouffon. Ah, t'es picard, toi. Les ch'tis. Ah, il est ch'tis. Attends, c'est ton père, là? Vas-y, passe le moi. Eh, vas-y, tu veux parler à toute ma famille ou ça se passe comment? Ouais, ouais, ton tonton, il a la grave drôle. Ouais, tonton, salut, je suis en live, vous allez bien? Si, pas content, tiens, tonton, il veut te parler. Ouais, tonton, on est en direct. Ouais, sur Twitch, tonton, là. Il est là, tonton, il est là. Ouais, comment vous allez? Posez votre bière, tonton, tout se passera bien. Juste pour vous dire, là, y a votre neveu, là, il est gentil, laissez-le jouer tranquille et arrêtez de faire les mecs bourrés et casser les couilles, là. Ça va bien une fois, ça va pas deux, là, je vous le dis. Alors arrêtez vos activités et laissez-le jouer tranquille. C'est quel âge? Vas-y, hein? Dis-moi. Moi j'ai 36 ans, je pourrais t'as être votre 36... père. Ah, t'es mon père, j'ai 42 ans, pépère. Ouais, c'est ça. Et un peu de tout, voilà. Il faut varier les... Oh, mais non, mais des sœurs. Ça, c'est mes sœurs. Lits superposés, comme mon frère et moi à l'époque quand j'étais petit. Les... Ça, c'est les... la force comorienne, la force africaine. À la foot, j'ai... Oh, non. Vous parlez comorien? Ah. C'est lui, là, le gros bâtard. Ouais, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, arrête de l'insulter. T'es le gros bâtard, là. Arrête de l'insulter. Bah, il m'énerve, il m'insulte, je suis en live moi. Dis à toi. Ouais, j'en ai branlé que t'es en live. Ouais, bah, vous me manquez pas de respect, monsieur. Posez votre bière et arrêtez de me casser les couilles maintenant. Ouais, là, c'est du harcèlement. Bah, c'est qui manque de respect là? C'est vous qui me manquez de respect, vous manquez de respect à la France. Ah bon? Vous êtes fonctionnaire, monsieur, allez dormir. Mais oui, bien sûr. Alors là, plus jamais. Plus jamais. Je t'écoute. Refais ça, ne refais plus jamais ça, les gars. Le prochain, je le termine. Je sais que c'est une fausse vidéo, hein. Point je termine. Rien que pour compenser l'autre là. Écoute-moi bien toi. Très beau live. Hein. Écoute-moi bien. Déjà, enlève ce survêt, tu mérites même pas d'être un vrai supporter parisien. Tu supportes depuis que tu es ici, c'est ça? C'est parce qu'à chaque année, il y a les nouvelles stars. Je vais supporter, je vais dans la tribune enfant, crier avec ma voix de machin. De qui? Vas-y. De qui? Laisse-moi, j'en ai rien à foutre. J'ai un casque HyperX et j'ai joué à Fortnite. Alors ferme-la. Ne parle pas. Ne parle pas, je suis en live. Ne parle pas. Qu'est-ce que tu fais là, gros pouilleux? Banania rentre dans ta baraque. C'est le mec. Banania rentre dans ta baraque, il m'a dit. Mais bien sûr. Vous forcez sur la boisson, monsieur. Ah ouais. Occupez-vous de vos femmes et vos enfants au lieu de rester là à traîner avec vos cousins. Vos neveux, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais c'est incroyable. T'es bourré, pose ta bière. Pose ma bière, je suis occupé, hein. Il va se calmer, le tonton Robert, là, hein.
Tonton enculé là. Je m'ai demandé une chanson là, il y en a une que je suis en train d'enregistrer là. D'accord. Alors j'ai... on t'écoute parce que tu voulais peut-être chanter une chanson. On va voir la vidéo chat. Mais c'est vrai qu'il y a, un truc. Donc je te la fais sans musique parce que là je peux pas mettre de la musique. Ouh, faut remplir les voisins ou pas. C'est vrai qu'il est un petit peu tard quand même. Oui, mais faut... j'aurais pas qu'à des problèmes. Alors on écoute. Oh là là. Encore une fois. Arrête de copier les chansons des autres. Espèce de gros, tu seras jamais des nôtres. Ton kebab, c'est de la viande de rap pour les pauvres. On va te fumer, Nazim, on t'encule. Amicalement vôtre. La semaine, Nazim, on t'encule. Le week-end, Nazim, on t'encule. Toute l'année, Nazim, on t'encule. Dans Milan, Nazim, on t'encule. Ah bah c'est bien parlé, mais je ne sais pas. Justement, j'aimerais bien qu'il monte, mais il n'est pas encore monté. Ouais. T'es loin de moi, en tout cas. T'es loin de Beauvais. Hein. Mais vas-y, ça va. Demain matin, faut chauffer la tasse avant de partir. Hein. Viens chez moi. Mais il a rien dit. Il a rien dit. Venez à Paris. Alors, venez à Paris du côté de 93, on va rigoler. Non mais viens. Parce que des mecs qui font les cassos tard la nuit comme ça, qui vont même pas. Non mais fais pas ça, les gars. J'ai tiré de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de tes formes. Parfois, je les dessine encore, mais ça fait partie de moi. Je suis ton méga chimre, le branler toute la nuit. Ah ouais, c'est mieux. Merci. Et alors, on l'entend moins maintenant, la grande gueule, hein? Bravo! Mais t'as provoqué un modérateur! Je suis un modérateur, bah qui s'excuse? Passez-moi le tonton, qui s'excuse tout de suite, je suis modérateur! T'es un modérateur, putain! Je suis désolé, les gars! Il n'y a pas un monsieur comme ça! J'ai un vrai que ce soit modérateur ou pas, j'en ai moins. Je suis modérateur, donc vous me parlez sur un autre ton! Vous me parlez sur un autre ton! Ne vous déplaise en dansant la javanne, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tripotes comme ça? Pourquoi tu tripotes? Juste entendu, ouais. Mais pourquoi il se tripote comme ça? Et pourquoi tu tripotes? Et pourquoi pas? C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.